Bonjour, je m'appelle Anaïe, j'ai 10 ans, je suis au CM2 à l'école Chevrolet de Lequesnoy et je vais vous lire un extrait d'Anna Gavalda tiré du livre 35 kilos d'espoir. Ça a commencé comme ça. « Du Bosque Grégoire » a-t-elle dit en jetant son carnet. « Oui ?» Je savais que j'allais encore foirer l'entraînement et me couvrir de ridicule. Je me demandais quand tout cela finirait. Je me suis avancée et les autres se mettaient déjà à ricaner. Mais ils ne se moquaient pas de ma nullité pour une fois. Ils riaient à cause de ma dégaine. J'avais oublié mes affaires et comme c'était la troisième fois du trimestre, j'avais emprunté la tenue du frère de Benjamin pour ne pas être collée. J'ai été plus que collée en un an que vous ne serez jamais de toute votre vie. Ce que je ne savais pas, c'est que le frère de Benjamin était un clone du géant vert et qu'il mesurait 1m90. Me voilà donc en train de me dandiner dans un survêtement XXL et des tennis taille 45. Inutile de dire que j'avais mon petit succès. « Qu'est-ce que c'est cette tenue encore ?» a gueulé la mère Berluron. J'ai pris mon hernier et j'ai dit « Bah, je comprends pas, madame. La semaine dernière, ça m'allait bien, je comprends pas. » Elle semblait excédée. « Vous allez me faire une double roulade avant pieds joints !» J'ai fait une première galipette catastrophique et j'ai perdu une tennis. J'ai entendu les autres se marier. Alors, pour leur faire plaisir, j'en ai fait une deuxième et je me suis débrouillée pour envoyer l'autre godasse au plafond. Quand je me suis relevée, on voyait un bout de mon slip parce que mon pantalon avait glissé. Madame Berluron était toute rouge et ceux de ma classe morts de rire. D'entendre tous ces rires, ça a été comme un déclic parce que, pour une fois, ce n'étaient pas des rires méchants. C'était des rires super, comme au cirque. Et c'est à partir de ce cours-là que j'ai décidé d'être le clown du cours de vie, le bouffon de Madame Berluron. D'entendre les gens rire grâce à vous, ça fait chaud au cœur. Et après, c'est comme une drogue. Plus les gens rient, plus vous avez envie de les faire rire. Madame Berluron m'a collé si souvent qu'il n'y avait plus de pages dans mon carnet de correspondance. À la fin, je me suis même fait renvoyer à cause de tout ça. Mais je ne regrette rien. Grâce à elle, je me suis sentie un tout petit peu heureux à l'école, un tout petit peu plus utile.